Ik ben Paul van Nevel en ik heb in 1971, dus 50 jaar geleden, het Geweldigers Ensemble opgericht. En ik ben daar nog altijd de leider van. Wij verdedigen de polyfonie van de middeleeuwen tot begin 17e eeuw, wanneer de monodie en de barok begonnen is. Daar voelen wij ons thuis en dat repertoire, dat zingen wij voornamelijk. Les premières répétitions de l'ensemble Welligas se situent les années 69-68 au sein du Conservatoire de Maastricht. J'avais un professeur là-bas, Johannes Colet, qui était un père pour moi, je dois dire. Et c'est grâce à lui, finalement, que 4 élèves de lui, dont moi, ont commencé avec un ensemble. C'était Johannes Colet qui nous a donné l'envie, l'intérêt et surtout la curiosité pour déchiffrer et chercher plutôt dans la période Moyen-Âge, Renaissance. C'était quelqu'un qui était vraiment une combinaison idéale entre idéologie, éthique, esthétique, musicale, pratique, instrument et la vocalité de la musique. Donc ça, c'était les débuts. La recherche de la tradition vocale de la polyphonie européenne, ça j'ai fait moi-même finalement. Parce qu'au début, on avait 4 instruments, pas de voix, mais je sentais assez vite que cette musique-là n'était pas écrite pour instruments, mais pour la virtuosité, chanter legato, vocal. Les premières années, j'ai encore des programmes, c'était purement instrumental. J'ai commencé à découvrir que cette musique-là a besoin beaucoup de voix et moins d'instruments. Polyphonie est une combinaison de plus d'une stem. Donc une stem ne peut jamais être polyphonie. Hein? 2 tot 40 stemmen, kan dat zijn. Een combinatie van stemmen die onafhankelijk van elkaar een tekst zingen. We kennen allemaal de canon Frère Jacques. Hè? Wel, dat is polyfonie. Want 1 stem zet in en dan zet een andere stem in met hetzelfde thema en met dezelfde tekst, maar na elkaar. Dit manuscript bevat meer dan 300 polyfone werken, meerstemmige werken. En wij voeren op ons feestconcert van 16 oktober in de Beaux-Arts één van deze werken uit, namelijk Ora Dixiesse. Hier ziet u Ora Dixiesse staan. Dat is het begin van 1 stem. Maar de 2e stem is hier met een andere tekst. Dat is al een heel typische voorbeeld van wat polyfonie zou kunnen zijn. De 3e en de 4e stem staan hieronder genoteerd aan 1 gebonden notenwaarde, zowel de tenorpartij als de contratenorpartij. Dus het geheel is 4-stemmig. Het is een zeer complexe compositie wat ritme betreft en wij vonden het een van de interessantste werken om deze avond dan nog te brengen. N'oublions pas que la polyphonie était aussi à l'époque un art élitiste, parce que cette musique-là n'est pas faite tous les jours. Aussi à l'époque, la polyphonie était un luxe. Les gens qui ont écouté la polyphonie pour la première fois étaient très, très étonnés. Pourquoi, comment je suis étonné, c'est une question très, très importante, je trouve. C'est d'essayer d'entrer dans la tête du compositeur. Pourquoi il a écrit ce texte? Premier choix, pourquoi ce texte? Deuxièmement, pourquoi cette forme? Troisièmement, pourquoi cette note et pas une autre? Pourquoi cette imitation et pourquoi pas une autre? Et la recherche pour la musique du 14e, 15e, 16e siècle est fondamentale, je trouve, pour la culture des gens qui vivent maintenant. Parce que c'est l'Europe et seulement l'Europe qui a ça. J'ai appris à l'école naturellement Rubens et Memling, etc. Mais on m'a jamais parlé de Manchicourt ou de Gombert, jamais. Et heureusement,
Heureusement, grâce à l'ensemble Wellegas, mais à beaucoup d'autres ensembles maintenant, on peut réécouter et revivre ce que les gens ont entendu et vu à l'époque. La soirée du concert, nous chantons aussi une chanson de Claude Lejeune. Cette œuvre est écrite et Claude Lejeune a travaillé à Paris dans un cercle très intime, très secret, qui cherchait, avec des poètes et quelques autres compositeurs, un autre système d'écrire et de penser la musique. Et le compositeur, en relation avec le poète, composait sa musique exactement comme la prosodie du texte. Hier, dit is de bovenstem, maar hier is alles precies volgens de tekst. Signe, je suis de candeur. Dus niet signe, je suis de candeur, maar signe, je suis de candeur. En dan daarna komt het refrein, zie je, hetzelfde tekst, maar vijfstemmig. En niet meer driestemmig. En hierbij nodig ik het publiek uit voor een heel feestelijk concert op 16 oktober in de Beaux-Arts. Ik kan wel zeggen, bijna ons moederhuis in België. Iedereen welkom.